Le 16 février, les Nigérians se rendent aux urnes pour élire leur président. Au menu, un duel entre deux dinosaures de la politique. D'un côté, l'actuel chef d'État Muhammadu Buhari, 76 ans. De l'autre, l'ex-vice-président Atiku Abubakar, 72 ans. Mais ces vieux politiciens ne représentent pas l'incroyable jeunesse du pays le plus peuplé d'Afrique. C'est pour cela que dans Courrier International, cette semaine, nous vous racontons l'autre visage du Nigeria. Celui de la folle énergie, de l'étonnante créativité des Nigérians. À tel point que leur culture, leur style, leur son est en train de conquérir le monde. Surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni, grâce à la diaspora. Vous ne me croyez pas? Alors c'est parti. Commençons par la musique. Connaissez-vous le chanteur Davido? Il a été élu l'artiste africain de l'année en 2018. Il n'a que 26 ans. Son tube Fall a été vu plus de 110 millions de fois sur YouTube, un record. Écoutez aussi Falz, rappeur africain de l'année, qui a provoqué la controverse l'an dernier avec son V6 Nigeria. Voici le Nigeria. C'est une reprise du V6 America de Childish Gambino. This is Nigeria. Look how I'm living up. Look how I'm living up. Everybody be criminal. This is Nigeria. Look how we living up. Look what we eating up. Everybody be criminal. This is Nigeria. Dans ce clip, il dénonce la corruption, la brutalité de la police et l'injustice sociale. Certains voient déjà en lui le successeur du légendaire Fela Kuti. Mais il n'y a pas que la musique, prenez la littérature. La romancière Chimamanda Ngozi Adichie, auteure d'Americana, est devenue une star mondiale, icône africaine et porte-parole du féminisme. There's something I deeply admire about the Nigerian spirit. We have a kind of striving. There's a kind of, you know, we're able to, people laugh at life and also people push back at life. And it's a way of looking at the world that I admire very much and that I don't find in sort of what we like to call the West. Le cinéma aussi, avec l'impressionnant développement de Nollywood, l'Hollywood du Nigeria. Un seul exemple, le film nigérian Lionheart. Ses droits viennent d'être achetés par le diffuseur en ligne américain Netflix pour plus de 3 millions d'euros. C'est une première pour un film 100% africain. Sa réalisatrice Geneviève Nadji le dit elle-même au journal nigérian Vanguard. L'Afrique renferme le plus grand nombre d'histoires qui restent à découvrir et nous sommes déterminés à les raconter au monde entier à notre manière. Aujourd'hui, les chasseurs de tendances de Londres, de New York décortiquent le style des jeunes Nigérians et les marques occidentales s'emparent du Made in Nigeria. C'est à Lagos que cela se passe. C'est là, dans la plus grande ville du pays, que les artistes puisent leur inspiration. La recette pour le New York Times? Un mélange de labeur, d'imagination et d'optimisme débridé. Sur la scène internationale, des peintres, des sculpteurs, des plasticiens nigérians se font aussi une place. Leurs œuvres sont vendues de plus en plus chères. Cet intérêt frénétique du reste du monde pour le Nigeria amuse certains. Comme le dit la plasticienne Jideka Akunili Crosby, ce n'est que maintenant que les étrangers découvrent notre formidable créativité. Ils sont peut-être un peu lents.